Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode 2 Far Cry Primal. Chers amis, nous sommes toujours dans la chasse, au grand tour se bat la fête simplement, du bois dur. Il n'y a pas que le bois qui est dur, tu vois ce que je veux dire. Parfait, on va pouvoir poser quelques pièges qui devraient nous permettre de... Ah bah il est pas loin. Ah non, c'est en combat d'ours classique. Je crois qu'il y a quelque chose là-haut. Mais à vrai dire, ça m'inquiète parce que c'est clairement une bestiole. Je crois qu'il est déjà là-haut en train d'attaquer. Donc il y a quelque chose qu'il faut que je cherche dans le coin. Ici. Ça va mon pote? Mort récent, c'est proche. Il est pas en haut? Par exemple, je vais chercher le grand tour se bat la fête. Il est là-haut. C'est lui qui se bat là-haut. Hop. Aïe. Bien, ouf. On va garder un petit peu. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a des choses sympas? Sur moi qu'elles sont allées surtout. D'accord. Pas. Qu'est-ce que... Il y a des zizi là dans ce coin. Non, c'est pas un zizi là. Aïe. Aïe. Ça pue du cul. Ça pue du cul. On va l'allumer. Si possible. Je retrouve plus mon caillou. Aïe. Je retrouve plus mon caillou. Aïe. Aïe. Me tue pas. Il va me tuer. Vous voyez que c'était con de le faire ce piège. Je le sens mal. C'est pas un appât que je voulais lui envoyer. Putain, il va dans l'eau juste pour me faire chier. Pour me faire sortir.
s'est pas enfui. L'interface qui se fout de ma gueule. L'interface qui se fout de ma gueule. Oh, trop loin, absolument. Tiens, vas-y, bouffe. Aïe. Où est-ce qu'il est? What? Il est pas censé t'enfuir. Tiens, regarde. Tu connais Monsieur Feu? Feu à volonté. Quel témoisie, je l'avoue. Les abeilles. Et mes bombes à feu, elles sont où? Je veux bien cramer, oui. Il a tout le poil qui a cramé déjà, je crois. Tout ce que j'ai. Poursuivez le grand ours baladeur qui s'enfuit. Il s'enfuit pas du tout. Crame. Par contre, j'aimerais bien qu'il s'enfuit. Parce que là, il a l'air complètement bugué son tour, en fait. Un ouf. C'est pas un arc avec genre tir rapide ou un truc comme ça? C'est moins mal. Là, il veut pas s'enfuir. Là faut pas se voiler la face, il m'aime bien. Si je fais ça. Tiens, bouffe. 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 Là ça gué. Putain, effectivement j'en ai plus beaucoup. Coucher. Coucher, te dis-je. Coucher, te dis-je. Est-ce que ça fait des dégâts au moins ce que je fais? Ça en fait. Ok, c'est pas que je tombe à court de ça. Et donc, la vie c'est comment sinon? Ok, je le sens mal cette histoire. Et... oh non! J'ai plus le piège! Oh putain. Attendez. Tiens, bouffe! 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 Ouf! 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 Putain, il est pas bon. Oh mon dieu! T'es complètement bugué! Tu sers à rien! Tu sers à rien! Ouf! Regarde, celle-là va te faire du mal! Celle-là aussi! Calmos! 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 M'attaque pas! Oh putain, j'ai eu un doute. J'ai cru que j'allais mourir. Bon. C'est pas mon bordel. Chasse au grand ours balafré terminé. Bon bah d'accord. Je parie que je peux même pas le monter. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré dans le tas? Mes gourdins. Mes sagets. Bon, mes grenades, je vais pas les avoir récupérées. Ça, je m'y attendais un petit peu. Je veux bien récupérer mes flèches si ça dérange personne. C'est pas que je les ai... si je les ai tirés dessus, mais enfin bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire quoi, c'est... c'est... à bon entendeur quoi. Bon, ça c'est fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent sur toi dans le journal? Attends, je te rappelle. Au combat, attire les attaques ennemies. Bah j'espère bien, parce que vu comment il est tanky...
Par contre, ouais, t'es pas très discret comme bonhomme. Il ne reste plus qu'un loup à aller chercher. Un loup à aller chercher, plus celui-là, bien sûr. Et le léopard. Le léopard, on n'a pas encore vu. Je l'ai pas croisé, c'est bizarre. Oula, je vais avoir le hockey dans pas longtemps. Bon. Une flèche. Les loups ? Moi, ce que je cherche, c'est un loup en particulier. C'est un loup rare. Non ? Ça vous dit rien? Bon bah tant pis. Il n'y a pas devant moi. Bon bon bon, ça c'est fait. Il n'empêche que ça c'est fait. C'est joli comme endroit, dis donc. Il n'y avait pas une crotte aussi quelque part? Grotte du Walqua affamé, d'accord. Ok, donc vous voyez le loup en plus il est dans un terrain complètement inconnu hein. Faudrait qu'on aille se faire ce camp là, qui est très difficile. Après, faudrait qu'on aille se faire ce truc là, qui est difficile. Et qu'on continue encore vers le sud, très très loin. Pouah, pouah, pouah. C'est la dèche. C'est la dèche, c'est la dèche. Ça, ça m'intéresse grandement. Parce que vu le coût des saguets, ça coûte extrêmement cher. La fronde, j'utilise jamais. Je devrais. De toute façon, ça aurait pu le tuer. Ça, je pourrais faire 4 flèches. Ça pourrait être agréable ça. Allez, 4 flèches d'un coup, je prends. Et après, il y a 8 flèches, bah, je le prendrai aussi. Ça m'économisera des ressources. Bon, bon, bon. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, chers amis, c'est qu'on va se rentrer au camp. Et on va aller voir nos deux prisonniers. Voir ce qu'ils veulent qu'on fasse. Alors, alors. Oui, je sais. Bah, de toute façon, je préfère pas qu'elle me suive, vu la taille qu'elle fait et vu la peur qu'elle pourrait générer chez mes amis. Winja! Je crois que c'était à moi que tu parlais, excuse-moi. Quelque chose d'intéressant dans le coin? Non. Ici, un petit peu de viande, ça peut toujours être sympa. Toujours est agréable d'avoir un petit peu de viande sur soi. J'ai fait exprès de pas prendre dans les ressources, chers amis. Yo! Me dis pas que tu lui as volé ses oreilles. Qu'est-ce t'as fait de ses oreilles? Ok, elle est sympa. Elle est vraiment sympa. Je vais vraiment pas m'entendre avec elle si elle continue sur ce terrain là hein. Je pensais qu'on finirait à un moment. Bon, je vais pas aller plus loin parce que vous savez ce que je vais dire. Mais ouais. J'aime pas ça. Qu'on se foute de ma gueule, c'est moi qui fais tout le boulot. Et derrière elle permet des choses comme ça. Et ça me plaît pas. Soyons honnêtes, ça ne me plaît pas du tout. Je prends la viande si tu permets. Ouais, la viande, merci. Oui, bah peut-être que je peux plus en tenir beaucoup, mais j'en ai besoin, malheureusement. Mes sacs sont vides. Yo, mon pote. Je vois que t'as récupéré. C'est tant mieux. Notre ami Lizzie là. Yo. Tu veux une maison? Tu veux une maison? Pierre du Sud, pierre de... Oh la vache. Peau d'élan rare population. Bon bah écoute, vas-y, on y va. Je te donne une maison. Par contre, si t'endoctrines nos gamins, ça va pas le faire. Tu vas retourner en taule, hein. Je te le dis tout de suite. Ça va pas le faire du tout. Mais bon, c'est comme ça, je présume. Compétence ici, là, ça c'est cool.
petit peu d'XP. Limite, est-ce qu'on peut directement... Non, ça il coûte cher lui améliorer. Oh la gueule. Il coûte extrêmement cher à améliorer. Je vais pas aller voir ta quête tout de suite parce qu'on a, on a quelqu'un qui est un peu en... En potentiel décès en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il est pas... Il doit pas être en super méga form of the dead. Ok. Non, c'est pas là que je voulais montrer précisément, c'est lui que je voulais montrer précisément. Aider Da à survivre à la colère du comité d'accueil Winja. D'accord, il a eu un comité d'accueil. Je vais pas tuer des Winja pour lui. Quoique, ça dépend. S'ils obéissent à mes ordres, tels qu'ils doivent le faire, hein, il se peut. Dégage. Dégage. Et non. Va le voir. Oh merde, il l'a abattu. Quel dommage, je pensais pas qu'il l'abattrait. Voilà, problème résolu. Merde, je pensais pas qu'il l'abattrait. Fais chier. T'apprendras, je t'avais dit de te barrer loin. Hop, donne-moi ta peau. Totalement. Ok. Je vois... des arbres dans le coin, voilà, on va pouvoir récupérer du bois. Oula, excuse-toi. Là, il y a un petit truc à piège à... piège d'abeille, là. Piège bombe piquante. Hop, un petit peu plus de bois. C'est parfait. Bois dur. On continue. Oh! Merci de bien de ne pas esquiver mes flèches, s'il te plaît. Ce serait cool. Ok. Bien sûr. Tu m'as vu. Tu m'as vu. Oui, oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Limite. Voilà. Et merde, vous êtes nombreux, putain, on est juste à côté du camp. Enfin, peut-être pas juste à côté. Des ours qui tirent à l'arc, vous en connaissez beaucoup? Hop les, voilà, problème résolu. Compétence, parfait. On a deux points. Alors lui, il confine deux bombes à feu d'une dans la rue des armes, ça peut être intéressant, mais il en faut trois. F pour augmenter une exécution, oui ça je les fais pas assez souvent les exécutions. Maître du feu, il n'y a plus besoin de graisse animale pour enflammer vos armes, ça c'est cool. Maître du feu 2. La suite, toutes vos armes s'enflammeront automatiquement. Ça peut être cool aussi. Et merde. Oh, hé, les esquives là. Oh, mais putain. Oh, je suis désolé, mais là, normalement, je tue. Voilà. Tire à la tête à cette distance. Ça s'est bouffé par l'ours. Bon, en parlant d'ours. Hop. Des copains. Oh putain, c'est lui qui a fait ce bruit là. Oh la gueule, les boules qu'il m'a mises.
Bon alors, c'est censé être par où? J'en suis où, moi? Mais je suis même pas dans la bonne direction! Faut que je reprenne la route. Une femme ou dame? On en a pas vu souvent, hein. Bonjour madame. Oh la vache, bah elles sont moches, hein. Pourquoi je l'ai fouillé? Par contre, ouais, non, village ou dame, je suis désolé, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Même ce que je vais faire, c'est que je vais pas gaspiller de flèches. Je ne peux pas faire autrement. Un village ou dame. Que puis. Voilà. Problème résolu. On va essayer de suivre le chemin, même si on s'est complètement égaré pour le coup là. Parce que le chemin va nous mener directement là où on en a besoin. Ou dame à droite. Pas sérieux là. T'es pas sérieux deux fois de suite là. Tiens, bouffe. Comment ça, il y en a deux? Hop, voilà. Problème résolu. Encore? Voilà. Problème encore une fois résolu. Oh mais merde. Hop, non c'est moi qui les ai eus. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu ne mourras pas! Oh la gueule! Deux ours! Ils ont pop! Ils ont pop juste là! Non! Ah! Oh. Fais chier! La quantité de ressources que j'ai perdu sur ce coup-là! Non, non, non! Oh putain! Ils ont pop! Il y en a un qui a pop dans mon dos, vous avez pu voir! Ouais bah tu sers à rien toi l'ours. Ok on y va. Bah fais gaffe, j'ai envie de te buter toi. Oui arrête de faire tes bruits à la con parce que ça commence à me saouler déjà dès le début. Donne graisse animale. Putain où je suis? Je suis la route qui est en contrebas. Ok. La bouffe. Qui dit bouffe? J'ai pas reconnu ce que c'était comme bestiole, j'ai pas le temps de voir en fait. Grosse zone de ressources, en tout cas. C'est toujours bon. Ok. Je sais pas ce que c'est. Comme j'ai envie d'avoir un... On va regarder, mais je crois que c'est un jaguar classique. C'est un jaguar classique. Ce que je cherche, c'est le léopard, moi, chers amis, malheureusement. Il n'y en a pas sur la carte, d'ailleurs, au passage. Filtré, chasse. Jaguar. Léopard, ils sont au nord. D'accord, intéressant. Bon à savoir. On va dire bon à savoir, chers amis. Tous. Hop, on retourne voir notre ami Dad et Oudam. Dad et Oudam.
Et on pourra chasser, je pense, dans la prochaine session, chers amis, on ira chasser le léopard. Et ensuite, on ira peut-être aller vers le sud pour le loup. On verra bien. Joli dans le coin. Des tortues. Tortue ninja. C'est très très beau dans le coin, dis donc. C'est presque paradisiaque. J'ai l'impression d'avoir été drogué par l'autre bonhomme. Par l'autre fou, un accueil ninja. Qu'est-ce que vous branlez? Oh merde, il est pas en forme. Bande d'abrutis! Si seulement je pouvais te pousser! Tiens, regarde ça. Alors? Échec, un villageois a été blessé. Oh! Oh, bande de nazes! Je peux même pas en pousser un dans le. Je suis vexé. C'est encore à moi de tout faire. Il y a de l'eau en dessous? Il y a de l'eau en dessous. Encore à moi de tout faire. J'ai fait le con. Apparemment, j'ai fait le con. Bien, il me fallait pas une peau de poisson croque. Au passage. Il me semble pourtant. En deux secondes, mon ami. Je sais que t'es en train d'agoniser, mais c'est pas grave. What the? Je rêve ou on vient de m'envoyer une sagaie sur la gueule. Ah, il est vachement gros ou c'est moi? Alors, c'est parti. Yam, peau de poisson croque. Ok, c'est bon, ce côté-là, on l'a fait. Par contre, je pense que je vais faire quelques homicides dans mon propre clan, là, honnêtement, entre le lance. Très bien, merci. Bon, vas-y, lève-toi. L'eau qui monte. What the fuck? Colmater les fuites, mais t'es sérieux? Hop, un caillou. Hop, on y va. Deux cailloux. Allez. Encore loin. Je m'en occupe. Oh, presque c'est des os dans le fond de l'eau. Hop. Une de plus. Mais bien sûr, hashtag je translate. Hop les.
Ok, c'est bon. Relève-toi, l'ami. La vache, ils l'ont accroché. Oh, les saloperies. T'as le droit d'en bouffer trois. Choisis-les. Winjai, da barom. Sa krauhadan da winjai, da iskwati balhasa. Da mari, kwai da shwadam mari. Shaja shwadam kwaifa. Gastia, machasar. Ok, j'ai envie d'en homicider plusieurs, là, dont celui qui a parlé au tout début. Honnêtement, oui, il en a plus pour longtemps. Je vais croiser un Winja à un moment. Ce sera, je dirais que ce sera lui. Ça aura été pas lui, mais. Enfin, ça aura pas été lui, mais. Il périra quand même sous les coups d'une flèche dans la nuque. Ou bouffé par mon ours. Ça pourrait se faire aussi. Bon, y'a un truc sympa à se faire là par là, je crois. Hop les. Crac. On en sort assez vite parce que si y'a un poisson. Bah non, on en sort pas du tout apparemment. C'est mon jaguar qui est dans la flotte, va comprendre. Et y'a rien. Y'avait pas un truc qu'on pouvait confectionner. Ah bah tiens, regardez, y'a un K. Ah ah. Confection. Avec de la peau de. Poisson. Oui, 5 saguets et ensuite peau de rhino laineux, d'accord. Je vais porter plus de saguet, ça c'est vraiment cool. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? 2 points pour ça et faire 2 saguets à la fois, ça pourrait être extrêmement pratique. Le point de santé supplémentaire, ça pourrait être pratique aussi. Que des choses sympas qui nous restent maintenant, hein. Que des choses sympas. Premier display qui nous donne en plus, d'accord. Compétence ou dame. Oui, ça, ça pourrait être pratique aussi du coup de les débloquer maintenant. Peut-être qu'il va nous demander de faire une maison. On va aller se rentrer. Je doute que les habitants en fait nous laissent normalement le bénéfice du doute vis-à-vis de cette maison, mais bon, on va aller voir ce qu'ils nous demandent. Il semble qu'il y avait un chemin par là. Il y avait bien un chemin. S'il n'y a pas de chemin, c'est bizarre. Parce que tout à l'heure, quand on est allé dans l'autre sens, on est allé quelque part. Attendez, il y a quelque chose. Non, on peut pas. C'est possible ça. Attendez, parce que moi, quand je croyais qu'on est parti à droite là, je croyais qu'on rejoignait la fameuse salle. Apparemment, non. On va où là en fait? Ah, d'accord, on ressort dans une autre grotte. Ok. Why not? Ok. Bon, allons voir Ouda. Euda, pardon. Twarshi Kabal Puri Shwapa. Charge Mihi Shaha. Nada Mariwalha. Sarta Gwarwai. Ça se comprend. Ça se comprend, l'ami. C'est quoi, tu la mérites? En gage d'excuses. On va dire que c'est des excuses de la part du village. Et encore le même gamin, hein. Ok, il mérite sa hutte. Au niveau de ça, on peut même l'améliorer encore. Ah non, on n'a pas l'argile du nord nécessaire. Ok, on a gagné un point de compétence supplémentaire qui nous permet de faire des doubles bombes berserk, ce qui pourrait être pratique. Résistance au corps à corps 2, ça peut être encore plus pratique. Et les soins primitifs m'intriguent. On a 3 points, il en faut 3 ici, 2 ici. Les bombes de feu, c'est pratique, mais j'aime bien les bombes de berserk, ça me permet de nettoyer des camps plus rapidement. On va prendre les bombes berserk. Niveau de la bouffe, ouais, c'est les appâts. Les effets des recettes, mais j'utilise pas les recettes, moi, du tout.
Pas du tout. Je crois que c'est ici. Voilà, c'est ça. Camouflage olfactif, inifugé, antidote, stimulant ultime. Ah, ce que ça consomme par contre en racine. Oh la gueule. À l'heure actuelle, on a ça. On pourrait utiliser ça, mais on en a pas assez. Ok, bon bah voilà. Voilà, voilà. Est-ce que la viande a repoussé sur les trucs? Oui, c'est parfait. Hop. On récupère un maximum de bouffe. Alors toi, toi ma grande là. Ouais bah tu vas arrêter. La prochaine fois tu fais pas le con comme ça. Bon bon bon. Dépecer le cerf. Voilà. Et donc bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode je pense. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, le partenaire en arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.